more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi fascinant que potentiellement difficile à accepter pour certains. Je vais approfondir notre exploration des concepts de Jung en nous focalisant sur l'imagination active, une méthode essentielle proposée par Jung pour sonder notre inconscient. Nous allons également parler des complexes, des idées et émotions cachées qui peuvent parfois influencer les actions sans qu'on s'en rende compte. En les comprenant mieux, l'individu peut apprendre à gérer ses réactions plus efficacement, et c'est une partie passionnante et applicable à la vie de tous les jours de la psychologie qui aide à nous connaître nous-mêmes. Cette vidéo est une continuation de notre précédente discussion sur les travaux de Jung où j'avais fait appel à l'intelligence artificielle. En effet, pour rappel, nous avons exploré comment intégrer les éléments de notre inconscient à notre conscience, visant ainsi l'idéal de la plénitude psychologique qui conditionne la stabilité, la noblesse et donc la force de caractère. Nos émotions les plus fortes sont souvent des fenêtres sur des conflits cachés dans notre inconscient. En décodant ces signaux émotionnels, nous pouvons identifier et résoudre des conflits internes qui influencent notre comportement de manière subtile mais puissante. C'est une démarche fascinante qui nous permet de comprendre les racines profondes de nos réactions et de nos sentiments. Voyons ensemble les quelques outils qui vous permettront, peut-être, de découvrir ce que vos émotions essaient de vous dire. Dans nos discussions précédentes, nous avons effleuré une des pierres angulaires de la pensée de Carl Jung, le processus d'individuation, une voie qu'il a tracée pour enrichir et compléter notre personnalité. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment cela exige de nous une analyse fine et souvent introspective de nos réactions émotionnelles face au comportement des autres. Une pratique révélatrice, certes, mais qui peut parfois sembler insuffisamment engageante. Y aurait-il une manière plus vivante, plus active, de naviguer ce voyage vers soi-même ? Je vous invite aujourd'hui à plonger dans l'univers de l'imagination active. Cette approche ne se limite pas à une simple exploration de l'inconscient. Elle nous convie à un véritable dialogue avec nos pensées et émotions les plus profondes. Alors, tout comme le sujet des rêves dont nous avions déjà parlé dans une vidéo dédiée, l'imagination active est un outil puissant pour ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance de soi et à atteindre une intégration plus complète de leur psyché. En pratiquant cette technique, nous pouvons dialoguer avec les différentes parties de notre inconscient, leur donner une voix et finalement trouver une harmonie intérieure. Et cette procédure peut non seulement renforcer notre caractère, mais aussi enrichir notre vie de manière significative, comme je vais essayer de vous le montrer. Jung a conçu la technique de l'imagination active pour une raison principale. L'homme moderne est trop concentré sur le côté rationnel de la vie et trop ignorant de l'irrationnel. Contrairement aux cultures du passé qui considéraient l'irrationnel sous forme de rêves, de visions et d'intuitions comme des sources vitales de sagesse et de connaissances, notre culture s'est largement écartée de cette vision, totalement déconnectée de ses sources de savoir, et cela à notre grand détriment. Car ces phénomènes, s'ils sont là, ne sont pas des accidents. En effet, selon Jung, la plénitude de la vie est gouvernée par deux forces complémentaires, la rationalité et l'irrationalité. Cela signifie simplement que pour vivre, il est important de reconnaître et d'intégrer à la fois les aspects rationnels et irrationnels de notre existence. Alors, je sais que le terme « intégrer » peut sembler vague à première vue. Laissez-moi vous l'expliquer plus clairement. Intégrer signifie unir, harmoniser et aligner les différents éléments que l'on souhaite intégrer. Cela implique une forme de synthèse et de supervision d'une collection d'éléments divers, parfois nombreux ou complexes, en un système ou une vision unique et cohérente.
pour ceux qui ont déjà fait du management de projet, c'est exactement le même terme que l'on utilise pour parler de l'intégration des différents domaines de connaissances, comme la gestion des risques, des ressources humaines, des communications, et les intégrer de manière à créer un projet cohérent et efficace afin d'éviter le désordre total. En gestion de projet, vous intégrez données financières, humaines et temporelles en un plan clair. De même, l'intégration psychologique unit pensée logique, émotion et intuition pour créer une harmonie intérieure. Cela demande rigueur et capacité à aligner des éléments disparates en un ensemble cohérent. Dans le contexte de notre propre conscience, il s'agit justement d'unir et d'orchestrer les divers aspects de notre psyché, pensée, émotion, expérience consciente et inconsciente, pour former une vision d'ensemble harmonieuse et alignée, un travail qui ressemble à celui de chef d'orchestre et de danseur, tant il demande justement d'être à la fois rationnel et irrationnel, et d'ajouter avec toutes les facettes de notre humanité. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est assez similaire à un travail de gestion de projet, mais appliqué à votre propre esprit et à vos éléments psychiques. La vie est complexe et contient à la fois des éléments rationnels qui suivent des règles et des lois et des éléments irrationnels qui échappent à ces règles. Voilà pourquoi il pensait que notre raison et notre volonté, qui reposent sur la logique et la rationalité, ne peuvent nous guider dans la vie que jusqu'à un certain point et atteignent assez rapidement leurs limites. Et dans la vie, si on se concentre uniquement sur la rationalité, on risque d'ignorer les aspects irrationnels de la vie, comme les émotions, les intuitions et les expériences spontanées qui sont tout aussi essentielles pour une vie bien vécue. Et avant d'examiner comment l'imagination active peut nous reconnecter à l'irrationnel, j'aimerais d'abord clarifier ce qu'est l'irrationnel et comment il diffère du rationnel. Notre connaissance rationnelle est un produit de nos pouvoirs de raison. Elle repose sur notre capacité à déduire ou inférer des faits à partir de la logique et des preuves, ainsi qu'à analyser, systématiser et calculer pour établir la relation entre les moyens et les fins. Ces fonctions de déduction, d'inférence, d'analyse et de systématisation sont principalement assurées par le cortex préfrontal, le cortex pariétal et le cortex temporal, et donc par des parties assez limitées du cerveau. L'irrationnel, en revanche, englobe tout ce qui existe au-delà de la rationalité. Les gens ont du mal à comprendre cela de nos jours, mais il peut être défini comme tout ce qui est donné dans notre expérience. Perception, sensation, intuition, fantasme ou rêve, qui ne peuvent être entièrement expliqués par des moyens rationnels. On ne parle pas de surnaturel ici, mais plutôt d'éléments qui n'obéissent pas à la logique et à la rationalité, du moins en apparence. Lorsqu'il s'agit de science et de technologie, et de certains aspects de notre comportement, comme trouver des moyens d'atteindre nos objectifs, la rationalité est bien sûr un outil à privilégier, puisqu'elle fonctionne. Mais pour ce qui est par exemple des problèmes psychologiques ou des soucis entre humains que nous ne pouvons pas résoudre par la pensée rationnelle pure, on tombe face à un souci majeur. En effet, ces problèmes qui tourmentent de plus en plus les gens et de manière constante et sans solution rationnelle sont une catégorie qui échappe à la pensée rationnelle pure, et c'est alors là que nous devons nous tourner vers notre irrationnel pour obtenir des conseils. Bien que l'irrationnel ne soit pas encore l'objet de la science, même si on voit des projets comme Neuralink qui commencent à l'explorer et que je garde un œil attentif sur ses recherches en neurosciences, il est crucial pour une psychologie pratique, une psychologie de tous les jours, que le facteur irrationnel soit correctement évalué. Et voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous ces méthodes pratiques qui relèvent de la psychologie pratique et qui s'adresse à ces nombreux problèmes qui ne peuvent être résolus que de manière irrationnelle, et donc d'une manière non conforme aux lois de la raison et de la science, qui relèvent plus de l'exercice biochimique. Or, dans l'attente de la création du vaccin ultime qui guérira de tous les maux psychologiques irrationnels, je voudrais vous parler de moyens pratiques pour résoudre ces conflits, qui peuvent être un obstacle parfois insurmontable pour certains. Il s'agit de trouver une solution de nature irrationnelle à un problème irrationnel.
pour prendre un exemple de problème psychologique non susceptible de trouver une solution rationnelle et qui touche beaucoup, je vais prendre ce qu'on appelle la possession par un complexe. Alors, dans le langage courant, le mot complexe désigne une carence dans l'estime de soi, et il est alors davantage convenu de parler de complexe d'infériorité. Chez les professionnels, il prend un sens beaucoup plus large, celui de représentation mentale. Et la représentation mentale est un contenu de pensée ou de perception entretenant une certaine relation avec l'environnement d'un individu. Une représentation mentale peut être de l'ordre du réel ou du fictif. Et une telle représentation cognitive est l'image qu'un individu se fait d'une situation, que celle-ci soit réelle ou pas. Et pour faire simple, selon Jung, un complexe est un ensemble de pensées, de sentiments et de souvenirs inconscients organisés autour d'un thème central, souvent émotionnellement chargé. Or, les complexes sont des contenus psychiques autonomes lorsqu'ils ne sont pas intégrés, c'est-à-dire des morceaux de psyché, pour parler ainsi, qui se forment lorsque des chocs émotionnels, des traumatismes ou des conflits moraux entraînent la fragmentation et la diminution de la cohérence de la psyché. En effet, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, la psyché est une collection de pulsions qu'il s'agit d'aligner pour augmenter la cohérence et renforcer la stabilité. Or, la non-prise en compte et la répression de certaines parties de notre personnalité, surtout quand elles sont créées dans des conditions où leur charge émotionnelle est forte, tout cela crée des déséquilibres et des comportements irrationnels. Or, la non-prise en compte et la répression de certaines parties de notre personnalité, surtout quand elles sont créées dans des conditions qui font que leur charge émotionnelle est forte, va créer des déséquilibres et des comportements irrationnels. Je n'ai pas le temps de revenir pendant 2 heures sur la neurologie et la biochimie sous-jacente. Mais par exemple, une personne ayant subi un traumatisme émotionnel durant l'enfance va développer un complexe de rejet. Ce complexe pourrait se manifester par une peur irrationnelle de l'abandon dans ses relations adultes, la rendant hypersensible aux signes de désintérêt. Ou bien encore, les individus ayant vécu des expériences traumatisantes, comme des accidents graves, peuvent souffrir de crises d'anxiété lorsqu'ils se retrouvent dans des situations similaires, même si elles sont sans danger. Tout ceci est irrationnel, vous en conviendrez. Un autre exemple classique que je peux vous donner est quelqu'un ayant un complexe d'infériorité dû à des critiques constantes durant son adolescence. Cette personne pourrait compenser en surinvestissant dans sa carrière, par exemple, juste pour prouver sa valeur au monde, jusqu'à aller au détriment de sa santé mentale et de ses relations personnelles. Et comme vous l'aurez compris avec ces quelques exemples classiques, au fil du temps, ces portions fragmentées de la psyché se solidifient dans l'inconscient et deviennent des véritables personnalités vivantes et relativement indépendantes, qui finissent par posséder une volonté propre et qui peuvent exercer une influence puissante, parfois néfaste, sur la vie. Pensez ici, par exemple, à l'exposition des contenus pour adultes dans l'enfance et à ses conséquences et son contrôle sur la future vie adulte. Jung affirmait que l'existence de ces complexes est inévitable, en raison des luttes et des chocs de la vie. Ces complexes existent à un certain degré chez tous. Le problème n'est donc pas l'existence des complexes, mais la manière dont ils sont gérés. Un manque de conscience de ceci, c'est-à-dire un manque d'intégration, ne fait qu'empirer les choses. C'est vraiment comme dans la gestion de projets. Car c'est bien lorsqu'ils sont laissés sans surveillance et de côté que les choses dégénèrent le plus sévèrement, et c'est ainsi que ces complexes peuvent exercer leurs effets les plus néfastes. En effet, ces complexes vont souvent finir par interférer avec les intentions de la volonté consciente, en créant des perturbations et des problèmes de stabilité, et vont affaiblir la performance consciente, ou bien encore créer des déséquilibres. Ils produisent des perturbations de la mémoire et des blocages dans le flux des associations, des comportements contradictoires. Bref, ils apparaissent et disparaissent selon leurs propres lois. S'ils peuvent temporairement obséder la conscience ou influencer la parole et l'action de manière inconsciente, c'est justement en raison de leur location dans l'inconscient et donc de leur nature irrationnelle. En un mot, les complexes se comportent comme des êtres indépendants, venus de la partie irrationnelle de la psyché, et une intensification des complexes conduit donc à des états morbides, des dissociations multiples étendues dotées d'une vie indomptable propre. Et si vous avez bien compris ce que je viens de dire, et le sens pour ces choses-là, vous savez que de nos jours,
énormément de gens sont atteints par ces complexes. Eh bien, enfin, il est temps de vous présenter l'une des méthodes privilégiées par Jung pour traiter ce phénomène. En effet, dans ses propres tentatives personnelles et dans son travail pratique, Jung a fréquemment utilisé une technique en particulier, l'imagination active. C'est une méthode pour assimiler ses complexes à la conscience et assurer l'intégration. Je vais vous donner sa recette et vous parler de mon interprétation ensuite. La première étape de l'imagination active est de prendre au sérieux l'existence de tels complexes et de chercher à en devenir conscient, surtout en ce qui concerne la façon dont ils peuvent nuire à la vie. Pour ce faire, selon Jung, nous devons cultiver une sensibilité à l'existence d'émotions fortes, de pensées ou d'impulsions, accompagnées du caractère de ce qu'on appelle aussi parfois la compulsivité. En d'autres termes, à faire attention au niveau émotionnel que nous avons. Pour Jung, les humeurs dépressives ou anxieuses qui surgissent de nulle part, l'hostilité ou la colère non justifiée, les impulsions intenses ou l'éruption de pensées intrusives sont tous des indicateurs de la présence d'un complexe pathologique. Une fois que vous avez identifié l'existence potentielle d'un complexe, l'étape suivante consiste à analyser et à en apprendre davantage sur celui-ci en, je cite, « dialoguant avec lui ». Et c'est là l'essence de l'imagination active. Pour Jung, nous devons parler de ce complexe. Alors, bien sûr, il ne faut pas être simpliste. Il ne s'agit pas d'utiliser le langage et de commencer à parler tout seul, mais il s'agit d'utiliser le langage de l'inconscient, car c'est bien là que réside le complexe. Or, comme nous l'avions déjà vu ensemble, l'inconscient ne communique pas par des mots, mais par des symboles, des images et des fantasmes. Dialoguer avec un complexe, cela signifie précisément cela. Il s'agit de prêter attention à notre monde intérieur, de faire attention en abaissant notre garde consciente, d'arrêter de tout vouloir, analyser constamment et de permettre aux fantasmes, aux symboles et aux images d'émerger spontanément de notre esprit. Il ne s'agit pas de faire une analyse précise et de tout décortiquer comme le ferait un comptable. Au lieu de cela, il faut chercher à comprendre le langage unique de notre inconscient, un langage multimodal qui ne passe pas par les mots, et à établir un dialogue sincère avec lui et à embrasser la spontanéité et l'authenticité de ces symboles. Alors, qu'est-ce que dialoguer avec des symboles signifie concrètement? Cela implique de se laisser aller et d'observer les images qui surgissent spontanément dans notre esprit, comme dans un rêve éveillé, de prêter attention à l'émotion. Et par exemple, au lieu de rejeter une image mentale de lion qui apparaîtrait sans raison apparente, essayez de l'explorer. Que symbolise ce lion pour vous? Est-il lié à une force intérieure, à une peur, à un souvenir? C'est un processus assez illogique et qui repose sur l'intuition, qui consiste à interagir avec des images, des sensations, à les laisser se développer sans essayer de les contrôler ou de les rationaliser immédiatement. Ce dialogue symbolique permet de donner une voix à des parties de nous-mêmes que nous réprimons habituellement. En pratique, cela pourrait signifier tenir un journal où vous notez vos rêves et vos fantasmes, dessiner des images qui vous viennent spontanément, ou même méditer et laisser les pensées et les images flotter librement. L'objectif est de reconnaître et d'intégrer ces symboles comme des messages de l'inconscient, ce qui contribue à une meilleure compréhension de soi et à une plus grande harmonie intérieure. Ainsi, même si cela peut sembler ésotérique ou New Age, ces concepts sont en réalité des éléments fondamentaux de la psychologie jungienne, appuyés par des décennies de recherches et de pratiques cliniques. Je vous invite à lire davantage Carl Jung directement si vous souhaitez approfondir des concepts tels que l'archétype et l'inconscient collectif, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et il a montré que ces symboles sont les marques de l'inconscient et constituent donc une voie d'exploration puis d'intégration. «
et par l'imagination active, les rêves, ou bien encore les mythes et les histoires, qui sont au passage le cœur de tout ce qu'on appelle divertissement de nos jours, et cela n'est guère surprenant puisque le divertissement va exploiter ce dialogue inconscient pour ouvrir les portes de l'esprit. Et justement, il est facile de constater comme tous ces éléments sont remplis de symboles qui reflètent, justement, en miroir, des aspects de l'inconscient. En d'autres termes, le divertissement moderne, en exploitant le dialogue inconscient pour ouvrir les portes de l'esprit, est rempli de symboles qui reflètent les aspects de l'inconscient. Jung soulignait bien que l'important n'est pas d'interpréter et de comprendre les symboles et les fantasmes, mais principalement de les vivre. Car la compréhension intellectuelle de la signification de ces fantasmes est une tentative d'appliquer la rationalité à un processus irrationnel, et bien que cela puisse être intéressant, cela est de moindre importance quand il s'agit de vouloir intégrer les éléments inconscients. Il conseillait également de s'efforcer de jouer un rôle actif dans le déroulement du fantasme et de ne pas simplement l'aborder en tant qu'observateur passif. Pour illustrer le danger de rester trop passif, Jung donne l'exemple d'un de ses patients, un jeune homme souffrant d'une dépression insupportable, qui avait le fantasme de sa fiancée courant sur une rivière gelée et qui finit par sauter dans l'eau à travers une fissure dans la glace. Pendant ce temps, il restait passivement sur le rivage et regardait passivement. Or, si le fantasme se produisait dans la réalité, il ne serait pas certainement à court de moyens pour empêcher sa fiancée de se tuer. Il pourrait, par exemple, facilement la rattraper et la retenir, physiquement, avant qu'elle ne tombe. Le fait qu'il reste passif dans le fantasme exprime simplement son attitude face à l'activité de l'inconscient en général. Il en est fasciné et stupéfié. Or, au lieu d'être stupéfié par nos fantasmes, la composante active de l'imagination active exige que vous preniez ce que l'inconscient nous donne et que vous vous efforciez de jouer un rôle dans le fantasme qui soit en accord avec la manière dont nous souhaiterions être si une telle situation se produisait dans la vie réelle. Un peu comme lorsque vous jouiez étant enfant et que vous vous exposiez à votre inconscient naturellement, mais que vous soyez aussi actif dans l'élaboration du fantasme et de l'histoire de votre jeu. C'est imaginer que nous sommes dans le monde imaginaire d'un jeu vidéo. Si vous voulez. Beaucoup de nos jours finissent prisonniers des jeux vidéo qui s'appuient justement sur notre désir instinctif pour l'imagination active et le désir de vouloir jouer dans l'imaginaire, ce qui est la traduction de l'exploration et de l'intégration de notre psyché. On pourrait dédier une vidéo à ce sujet si cela vous intéresse. Je vous conseille de ne pas passer trop de temps sur des jeux vidéo scriptés qui viennent exploiter votre désir d'imagination active et les scripter pour ensuite capter votre attention et vous vendre des produits. Il serait plus bénéfique de chercher à jouer avec vous-même, dans votre propre imagination, aussi ridicule que cela puisse paraître. C'est excellent pour la santé mentale et le travail d'intégration, et donc d'unification, d'harmonisation et d'alignement de la psyché. On ne peut pas changer le monde réel, du moins on est limité. Mais dans le monde du fantasme, nous avons clairement le pouvoir de choisir comment nous agissons et d'explorer nos façons d'agir et de réagir de manière illimitée. Et donc d'en apprendre plus sur nos contenus inconscients et de les intégrer. Et c'est à cela que sert l'imagination, à répéter de manière non scriptée et libre dans un monde imaginaire, avant de pouvoir l'appliquer dans le monde réel. Jouer un rôle actif dans le fantasme assure donc que nous le prenons au sérieux. Ce que Jung considérait comme crucial si nous espérons obtenir une plus grande influence sur l'inconscient et les complexes nuisant à notre vie. Or, si le patient participait activement de la manière décrite, il s'approprierait l'énergie investie dans le fantasme et gagnerait ainsi une influence accrue grâce à l'inconscient. Cependant, dialoguer avec les fantasmes d'un complexe est rempli de difficultés. Car on doit non seulement parfois faire face à la folie qu'on peut ressentir en prenant part à cette pratique, mais aussi parfois à la peur que la folie puisse s'infiltrer et prendre le dessus. Qui, en pleine possession de ses moyens, irait prendre du temps d'aller converser avec des personnalités indépendantes et existant dans sa psyché, via des fantasmes et des symboles? Peu de gens en réalité. On peut citer Nietzsche par exemple. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler de cette technique pour s'explorer soi-même
psychologiquement en profondeur, et pour aller chercher de quoi se faire grandir, de quoi simuler et modéliser mentalement notre caractère pour en apprendre plus sur soi, par la simulation et la prise en compte de la charge émotionnelle qui résulte de ces simulations. Tout cela permet de dessiner plus précisément la carte de notre propre caractère, tout en désamorçant les contenus inconscients toxiques tels que les complexes. Par conséquent, j'aimerais vous dire que, si vous vous trouvez face à des addictions, à une dépression, ou bien à lutter contre certaines compulsions, des impulsions ou des comportements qui entravent votre développement et ruinent votre capacité à profiter de la vie, je vous invite humblement à essayer de mettre de côté vos préjugés et vos sentiments modernes pour la rationalité pure, et à essayer de mettre en œuvre la technique de l'imagination active. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, liée à la lecture, mais il est essentiel de savoir se laisser s'ennuyer pour permettre aux images de notre inconscient d'émerger et d'entamer le dialogue. Ne cherchez pas à maintenir un flux continu d'informations provenant de YouTube, de podcasts et d'autres sources. Laissez de l'espace pour le silence et l'ennui, car c'est dans ces moments que les symboles et les images peuvent apparaître, ouvrant ainsi la voie à une véritable introspection et à une meilleure compréhension de soi. Jung a toujours prôné cette technique de manière catégorique tout au long de sa vie, même face au ridicule. Cependant, le credo scientifique de notre époque a développé une phobie superstitieuse de la fantaisie. Mais je vous le dis, ce qui compte réellement, c'est que si cela fonctionne pour vous, alors tant mieux. Le travail avec l'inconscient est efficace, il y a peu de doute là-dessus. Et la réalisation consciente continue des fantasmes inconscients et les simulations actives, ainsi que la participation active aux événements fantastiques, l'utilisation des symboles et le jeu, élargira votre horizon conscient en incluant de nombreux contenus inconscients. Et voilà comment on diminue progressivement l'influence négative dominante de l'inconscient et l'on provoque une plus grande cohérence et une plus grande stabilité de son caractère. L'imagination active est une méthode pour accéder à notre inconscient, mais ce n'est pas la seule. Dans nos prochaines vidéos, nous pourrions explorer d'autres techniques qui affectent non seulement notre psyché, mais également notre biologie. Nous pourrions explorer l'épigénétique pour comprendre comment certaines expériences modifient directement l'expression de nos gènes, influençant des fonctions et des comportements au-delà de notre conscience immédiate. Cela nous permettra également de voir comment ces modifications génétiques peuvent nous reconnecter à une mémoire collective plus vaste, un concept qui, bien que distinct, est proche de l'inconscient collectif de Carl Jung. Parmi ces méthodes, l'activité physique, par exemple, est reconnue non seulement pour clarifier l'esprit et renforcer le corps, mais aussi pour activer certains gènes qui ne s'expriment qu'en réponse à l'exercice physique. Ces gènes, une fois activés, peuvent améliorer notre bien-être à long terme, illustrant ainsi comment l'expérience directe peut débloquer des potentiels génétiques encodés. De même, l'exposition à des températures froides peut non seulement provoquer une réaction immédiate du corps, mais également activer des gènes associés à la résilience et à la réponse au stress. Ces changements génétiques peuvent affecter durablement notre gestion du stress et notre santé globale. Le jeûne prolongé, une pratique ancienne de purification, est connu pour induire des changements significatifs dans l'expression des gènes liés à la réparation cellulaire et à la longévité. Ces activations génétiques nous connectent non seulement à des états modifiés de conscience, mais peuvent aussi révéler des aspects de notre héritage évolutif, comme une capacité innée à survivre et prospérer en conditions de privation. L'expérience sexuelle, lorsqu'elle est vécue de manière consciente, peut également influencer l'expression génétique liée à l'intimité, au plaisir et au lien social. Ces expériences activent donc des aspects de notre code génétique qui sont restés dormants jusqu'à ce qu'une certaine expérience les éveille, une manifestation moderne du concept jungien de l'inconscient collectif, où des expériences universelles et partagées peuvent être codées non seulement dans nos mythes et archétypes culturels, mais aussi directement dans notre biologie. Nous pourrions aborder chacune de ces pratiques en détail dans les prochaines vidéos, examinant comment elles activent des aspects spécifiques de notre héritage génétique, ce qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes et améliore notre capacité à vivre une vie pleine
et équilibré. Restez donc à l'écoute pour ces explorations futures. Et en attendant, je vous encourage à réfléchir à la manière dont ces différentes techniques pourraient s'intégrer dans votre propre parcours de développement personnel. Merci de suivre cette exploration de la psychologie et à bientôt pour continuer ce voyage vers la découverte de soi. Dans quelle situation merveilleuse et inédite, et en même temps terrible et ironique, je me sens avec ma connaissance à l'égard de l'ensemble de l'existence. J'ai découvert que l'ancienne humanité et animalité, voire même que l'ensemble de l'ère primitive et du passé de tout être sensible, continue à poétiser en moi, continue à aimer, continue à haïr, continue à tirer des conclusions. Je me suis soudain réveillé au beau milieu de ce rêve, mais seulement pour prendre conscience que je suis en train de rêver et que je dois continuer à rêver si je ne veux pas périr. Tout comme le somnambule doit continuer à rêver pour ne pas s'écraser au sol. Qu'est-ce pour moi à présent que l'apparence ? Certainement pas le contraire d'une quelconque essence. Que puis-je énoncer d'une quelconque essence, sinon les seuls prédicats de son apparence ? Certainement pas un masque mort que l'on pourrait plaquer sur un X inconnu, et tout aussi bien lui ôter. L'apparence, c'est pour moi cela même qui agit et qui vit, qui pousse la dérision de soi-même jusqu'à me faire sentir que tout est ici apparence, feu follet, danse des esprits, et rien de plus. Que parmi tous ces rêveurs, moi aussi, l'homme de connaissance, je danse ma propre danse. Que l'homme de connaissance est un moyen de faire durer la danse terrestre, et qu'il fait partie en cela des grands intendants des fêtes de l'existence. Que l'enchaînement et la liaison sublime de toutes les connaissances sont et seront peut-être le suprême moyen de maintenir l'universalité de la rêverie et la toute intelligibilité mutuelle de tous ces rêveurs. Et par là, justement, de prolonger la durée du rêve. Voulons-nous vraiment avilir l'existence pour la rabaisser à un exercice d'esclave du calcul, de mathématicien reclus dans son cabinet de travail ? Il ne faut surtout pas vouloir la dépouiller de son caractère polymorphe. C'est le bon goût qu'il exige, messieurs les savants, le goût du respect pour tout ce qui dépasse votre horizon. Que seule soit légitime une interprétation du monde dans laquelle vous soyez légitimé, dans laquelle on peut chercher et poursuivre son travail scientifiquement au sens où vous l'entendez, vous voulez dire en réalité mécaniquement, une interprétation qui n'admet que de compter, calculer, peser, voir et toucher et rien d'autre, c'est une balourdise et une naïveté à supposer que ce ne soit pas une maladie de l'esprit, de l'idiotie. Ne serait-il pas vraisemblable, au contraire, que ce que l'on parvient à attraper en premier lieu soit précisément ce que l'existence a de plus superficiel et de plus extérieur, ce qu'elle a de plus apparent, sa peau et sa matérialisation? Peut-être même, est-ce la seule chose que l'on puisse attraper? Une interprétation scientifique du monde tel que vous la comprenez pourrait par conséquent demeurer l'une des plus stupides, c'est-à-dire les plus pauvres en signification de toutes les interprétations du monde possible. Un monde essentiellement mécanique serait un monde essentiellement dénué de sens. À supposer que l'on apprécie la valeur d'une musique à partir de la quantité de choses qui en elle peuvent être comptées, calculées, réduites en formules, qu'une telle appréciation scientifique de la musique serait absurde. Qu'en aurait-on saisi, compris, connu ? Rien. Absolument rien de ce qui en elle est proprement musique.